bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre incroyable aventure exotique sur Horizon 2 Forbidden West. Évidemment, toujours accompagné de Vald ici présent et de moi-même. On avait appris que les humains ont tenté de faire un vaisseau, ces petits coquins, pour conquérir l'espace en cas de fin. De fin du monde, de fin des temps. Malheureusement, ce vaisseau a explosé en l'air et ce fut terrible pour eux. Donc, fin du game, retour à la réalité. Il y a peut-être une copie de Gaïa, même si pour être très honnête avec vous, je commence à fortement y douter. Alors, il y a quelque chose qui me chagrine, c'est que, vous le voyez, il y a ici même un coffre, ok? Mais... pour l'avoir, ça c'est... alors ça par contre, pour l'avoir, je suppose qu'il faut passer par en haut, non? Pour le coup. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faudrait pas passer par en haut? Faire tout le tour par derrière? Mais ça mène à rien. Peut-être que la solution se trouve dans la suite de notre chemin. On va voir ça. On va voir ça, quoi qu'il arrive, ça me chagrine. Ça me chagrine un peu. Nous sommes, je le rappelle, en mode difficile, évidemment. Ça veut dire que, il y a d'autant plus intérêt à fouiller et trouver de belles choses. Et là, je vous cache pas que je veux trouver de belles choses. Oh putain. Non, j'ai cru que c'était un petit passage, mais pas du tout, que nenni. Ok, matez ça. Matez ça. Voilà. Allez! Je suis en train de tout faire, le rush me regarde, ça fait plaisir, c'est la famille. Ok. Et on continue d'avancer dans les ruines. Bon, toujours rien. Et là, on dépasse ce que je pensais. Ça m'embête un peu. Comment on peut l'avoir, ce coffre? Il y a des gens qui se sont penchés dessus, là. Ça m'embête. C'était quand même un coffre antique. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh. Peut-être ce qui a tué ces aussi. Reste sur tes gardes. Ok. Ça, tu peux compter sur moi. Bon. Excusez-moi, mais je... Il y a forcément quelque chose. Il y a forcément quelque chose de cool. Me dites pas qu'il faudra revenir plus tard, parce que là, je vais être très frustré. Mais il y a forcément quelque chose de cool. On a le temps. On a le temps d'aimer. On a le temps de kiffer la life. Donc, on va prendre notre temps. Et je veux la solution. Je veux la solution, je veux ce coffre. J'ai peut-être une idée d'ailleurs, regardez. Est-ce que si je fais ça par hasard? Ok, je fais ça. Yes. Yes, 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 yes. Voilà. Toujours y croire dans la vie. Dégage, dégage, dégage. Attends, oust. Ok. Quoi? Un cure-dent? Un lingot de fer. Ok, prends tout. Ça a l'air insane, le lingot de fer. Oh, la vache, quel bonheur. Oh, je suis tellement content. Vous voyez les petites choses simples comme ça dans la vie, ça donne le smile, ça suffit. Bon, par contre, on a vu une petite bête qui va fortement me déranger. Ça sent pas bon, cette histoire. Pourquoi il y a ça, là, au sol? Vous croyez qu'il y a quelque chose à en tirer? Ok, non. Attendez, mais ça on l'avait pas vu tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est fou! Des muscles de machine. Ok. Et c'est... ça ne s'arrête pas! Ok. Très bien. C'est dingue! On continue. Mais en fait, si ça se trouve, j'ai déjà loupé 4000 coffres! Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de j'aime et le commentaire, ça fait toujours plaisir. Plus vous emmènerez d'épisodes en top tendance, plus je serai heureux, évidemment. Merci beaucoup et infiniment à tous ceux qui prennent le temps de le faire, ces quelques petites secondes, qui aident beaucoup, mine de rien. À ce que ces trucs étalent leur copain souterrain. Bon, tu prends celle de gauche. Je m'occupe de celle de droite. Compris. Hmm.
Je vais monter. Ok. Je dois m'approcher et l'éliminer discrètement avec ma lance. Je dois pas me faire voir. Je fais mieux de scanner pour vérifier son itinéraire de patrouille. D'accord. Voilà sa patrouille. Je dois me rapprocher et ne pas me faire repérer. Ok, on a son itinéraire complet. Je vais jeter un caillou pour la distraire. La tirer à un endroit où je peux l'attaquer discrètement. Je dois juste attendre le bon moment. On a son itinéraire. C'est le moment. C'est incroyable. C'est incroyable. Je t'ai eu. Je kiffe. C'est bon, ici aussi. Ok. Ah. Ok, 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 ok. Let's go la suite. Allez, viens. Il y a d'autres machines droit devant. Ça devrait pas nous poser de problème. On va aller se cacher là-dedans. Alors par contre, si c'est moi qui fais tout, je vais être fort fâché. Putain, merde, il va venir par ici, le con. Ok. Il va venir ici, puis il va faire un demi-tour. Reste caché, mon ref, hein, pas de problème. Parfait, parfait. Hop, on va aller focus notre pote là-haut. Ok. Alors la bichette, elle va où là? D'accord, elle va à droite. Et elle descend bien bas. Très bien. Très très bien. Dès qu'elle est au bout du chemin, on va l'attirer avec un petit caillou à droite, tranquille, tu vois, sans se prendre la tête. On arrive derrière, et bam! Ok, elle arrive. Elle arrive, elle arrive. Parfait. Parfait, parfait. Bon! Ça c'est fait. Tiens, serre-toi Bibiche si tu veux quelque chose. Il n'y a pas de souci. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Suivant. Ok. Très bien ça. Donc les faiblesses et le feu, vous l'aurez compris. Attends, il va aller près de moi là. Ok. Bon, lui c'est du pain béni, c'est cadeau. Parfait. Il y en a plus. Très bon ça. En fait, je voulais te dire, j'ai remarqué que t'avais un style différent. Ouais, je sais. J'ai pas pris le temps de me raser quand j'essayais de te rattraper. T'en fais pas, c'est temporaire. Tant mieux. Désolé que mes moustaches t'offensent, élu. Ok. Parle mieux quand même. Parle mieux à l'œil, ok? Tu me dois le respect. Bon, on a tout checké. On est très très bien. On va normalement même pouvoir se faire des petites plantes médicinales. Ce n'est pas un problème. Allez! Suite de notre aventure. Oh, oh je t'ai vu. Petit coquelicot. Voilà. Allez. Next. Chaque zone... Chaque zone est belle en fait. Voilà, le jeu est très beau pour nos yeux, très chatoyant. Il n'a pas pu s'échapper. J'espère qu'il n'a pas trop souffert. Ah, attendez, parce que je trouve que en vrai, le fond, hop, visuel, voilà, le fond gâche un petit peu. Comment on peut appeler ça? Gâche un petit peu les sous-titres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça sera beaucoup mieux comme ça. Alors, on va où?
près quelque chose. Que dalle. Là, il n'y a rien non plus. Direction. Chercher une copie de secours de Gaïa. Oui, j'ai bien compris, mais... On va essayer de passer par ici. Non, dommage, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien non plus. Non. Ok. Je me suis cassé la gueule. Donc, c'est pas par ici. Ah oui, c'est vrai, c'est nouveau. On peut nager. Incroyable, j'ai hâte. Et là, on a quoi, là? On vient d'où, nous? Mais non, mais on vient de par là, donc c'est par ici. Non, mais il n'y a plus de problème, ça y est, c'est réglé. Fin de l'histoire. Plus de peur que de mal. Les Océram ont dû utiliser des explosifs contre les machines. Ils ont réussi à en avoir quelques-unes. Ça, on prend. Bonsoir! On dirait qu'il y avait une barricade ici. Les machines ont dû l'enfoncer. Ok, beaucoup d'éclats de métal pour l'instant, mais je sais pas trop quoi en faire. Tant mieux, on va pas se plaindre. Ça pour plus tard. Oh, une petite potion. Le sérum n'a pas eu l'occasion de l'utiliser. Les petites potions sont un peu longues à boire, mais remplissent instantanément votre jauge de santé et peuvent même vous faire dépasser votre santé maximale. Comment ça, attention, elles peuvent vous faire dépasser? Il y a des pièges. Oh, je pourrais peut-être les désarmer. Attends, mon refrère, t'es un forceur, toi. Ok. Regarde. J'ai pu récupérer du matériel. Essaie de pas te faire sauter. Je l'ai démonté. Et j'ai récupéré du matériel. Ok. On dirait un autre camp. Tant pas qu'on mal. Y est, pourquoi ne pas fabriquer nos propres pièges? Ça pourrait nous aider contre les machines. Bonne idée. Pour fabriquer un piège explosif, maintenez flèche du bas. Ah, d'accord. Je sais pas ce qu'il faut pour fabriquer un piège. On dirait que les Océram ont décroché des pièces de machines. Je devrais pouvoir rassembler suffisamment de matériaux à partir de ça. Chercher, obtenir de la pâte explosives. Bah là, il y en a une, je suppose. Pas ça de problème. Peut Et là, il y en a une autre, je suppose. Bon. Point de problème. J'ai ce qu'il me faut pour faire un piège. Ok. Bon. Très bien. Oh, j'aurais dû le fabriquer avant. Attendez, dès qu'on monte, on le fabrique. Ouais. Piège explosif fabriqué. Voilà. Un piège explosif. Si quelque chose passe par ici, il va avoir une surprise. Machine droit devant. Je ne crois pas qu'elle nous ait vu. Je te connais, ça. J'ai déjà vu cette machine. Ok, ça. Voyons quels sont ses points faibles. On pourrait peut-être poser l'un des pièges que t'as fait. Faiblesse. Ok. Je mets ça ici. Je suis un véritable connard et ça, c'est un problème. On va voir ce que ça donne. J'ai gâché un piège, malheureusement. Allez, viens, bichette. Je sais pas à quelle ampleur ça explose. Tout le monde s'en bat les couilles? Je préfère. Ok. Là, il est sur le qui-vive, mais c'est pas non plus... Très bien. Wow. Wow, 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 wow. Les gars, l'univers de Horizon est tellement fou, il pourrait en faire 150 films, quoi. Son chemin à la perfection.
Ok. J'espère, ça doit être incroyable. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de votre installation à l'issue de l'épisode 1, 2 et pourquoi pas 3, 4, 5, 6, 7 sur Twitter, Instagram, en story. Mettez-moi en story MRBBoy45YT sur Instagram histoire, histoire que je fasse tourner un peu quand même et que je vois vos installations, ça fait toujours plaisir. Elles ont toutes leurs secrets, mais chacune est différente. Ok. On va aller sur la gauche tranquillement. Parfait. Et on va aller ici. La machine qu'on a vue tout à l'heure doit se déplacer. Espérons qu'elle ne vienne pas par ici. Non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ok, on va aller là. Hop. Eh, dites-vous qu'on est toujours pas dans l'open world et ça, c'est incroyable. Ok. Une grosse tempête se prépare dehors. Ouais. Elles sont de plus en plus violentes. Et fréquentes. Les tempêtes, les terres contaminées, les rivières et les lacs envahis d'algues. Tu es né pour arranger tout ça? Ouais. Je pourrais le faire que si je trouve cette copie. Je crois qu'on est en train de contourner le centre de données. On va devoir traverser ce grand bâtiment sur la droite. Hé, hey, Varl. Il y a des données. Ah. Tu peux les scanner avec ton focus. Ces données parlent d'une technologie que Zénith Lointain a échangée avec Hope Zero. Ça n'explique pas comment ils ont eu une copie de secours. Je vais essayer de trouver d'autres données. Et là, par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir, peut-être? Alors, ouais. Des tas de glyphes. Je vais les garder pour les étudier plus tard. Ok. Continuons. On va devoir grimper. Appuyez sur la 3, ok, pour mettre en surbrillance les trucs d'escalade, d'accord. Ouais, bon, en fait, on pouvait aussi passer par la gauche. Wow, 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 get down! J'ai eu chaud! On ne va pas pouvoir passer par là. Hop, on va passer par ici, ça sera très bien. Ça sera très très bien comme ça. En même temps, il a 1000 ans. Ok. Ok, 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 ok. C'est d'ici que j'ai failli arriver, mais que je ne suis jamais arrivé. Bon. Une sorte de salle de réunion. Que va-t-il se passer? De l'autre côté est verrouillé. Anzu? Le système de terraformation d'Aube Zéro, la création du docteur Elisabeth Sobeck. Alimenté par 9 fonctions subordonnées, Gaïa, le noyau du système, a des capacités d'ingénierie planétaire avancées. Un avantage sans pareil pour soutenir nos efforts de colonisation. Phase 1 de l'opération, établissement d'une cible au sein du projet Aube Zéro. Statut fait. Phase 2, la cible diffusera discrètement une copie complète de Gaïa et de ses fonctions subordonnées dans le centre de données de ce site. Si tout se passe bien, le personnel d'Aube Zéro ne sera absolument pas au courant de la transmission. Risque, la découverte de cette opération pourrait avoir pour conséquence qu'Aube Zéro conserve la base de données Apollon déjà négociée. Des mesures doivent être prises afin de ne pas alerter Travis State, l'expert en piratage en charge du protocole Hades. De plus, des précautions extrêmes doivent être prises en ce qui concerne le Dr Sobeck elle-même. C'est l'une des technologues les plus en vue au niveau mondial, et il se peut qu'elle ait mis en place des mesures de sécurité inattendues. Une évaluation complète est jointe, et conclut le résumé exécutif. Je pensais qu'Elisabeth avait envoyé la copie ici, mais c'est faux. Zénith Lointain a volé Gaïa. À l'œil. Pourquoi cette femme te ressemble? C'est normal, Varl. On se ressemble parce que je suis la même personne, génétiquement identique. Mais c'était l'une des anciens. Comment peux-tu être elle? Parce que je suis pas née. J'ai été créée par une machine. C'est pour ça que j'ai pas de mère et
J'ai été rejetée dès ma naissance. Je ne comprends pas. Quel genre de machine peut créer une personne? Tu te souviens quand je t'ai dit que la copie était un ensemble d'instructions? C'est plus que ça. Elle s'appelle Gaïa. Et pendant longtemps, elle a pris soin du monde jusqu'à ce qu'elle ait dû s'autodétruire. Elle m'a créée pour la ramener. Je suis la seule à pouvoir. Et cet endroit est mon dernier espoir. Tu as dit un jour que la déesse t'avait parlé dans la montagne de la Toute-Mère. Est-ce que c'était Gaïa? Oui. Mais ce n'est pas la déesse, Varl. Elle n'existe pas. Tu en es sûr? On dirait bien qu'elle t'a attribué une tâche sacrée. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Tu comprendras, grâce au Focus. En attendant... Le rapport dit qu'ils allaient stocker la copie volée de Gaïa dans le centre de données. C'est là-bas qu'on doit aller. D'accord? Va expliquer l'intelligence artificielle à quelqu'un d'un peu primitif dans son développement, n'est-ce pas? Compliqué, hein. Compliqué, hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Intéressant. Aloy, par ici. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait nous servir. Une arme? Merci, Varl. Il faut qu'on continue. Après toi. Les fronts d'explosifs lancent des bombes ayant une vaste zone d'effet. Cette arme tire des bombes de gel à utiliser contre les ennemis pour charger la jauge de l'altération fragilisée. Lorsque cette altération est active, les ennemis sont plus sensibles aux dégâts d'impact, évidemment. Et ben, allons ouvrir cette porte. Je ne vois pas le rapport avec une porte. Dommage, dommage, dommage. En bas. Là. C'est bon. Plus de peur que de mal. Ça, on prend. Je crois qu'on est proche de la sortie. Bien. Très bien, ça. Oh, oh. Oh la vache. Une caisse de ravitaillement The Last of Us de l'armée américaine. C'est un serpent, ça, je reconnais. Allez, viens. Viens par ici, bichette. Encore une de ces machines. Je pourrais essayer cette nouvelle arme dessus. Maintenez L1. Ok. Bah, écoutez, fronde, hein. Très bien, marquez la cible. Parfait. La machine n'a pas supporté le froid. Bon, j'ai peut-être utilisé un petit peu plus que prévu. Bon, enfin, c'est pas mal. Il y a de l'acide partout. Cette grosse machine a dû les attaquer quand ils fuyaient. Ils n'avaient aucune chance. Je crois qu'on peut traverser ici. Ok. Effectivement, on va pouvoir traverser ici. Comment on va descendre? Par là. Tu as dit que cette copie était notre dernier espoir? Oui. Tous ces endroits où je suis allé ces derniers mois, il devait y avoir d'autres copies. Mais il y a 1000 ans, problème. Certains têtes pharaos les a toutes effacées. Tu faisais partie de Zénith Bretagne? Non. Il était pire. Oh là là, la beauté, la beauté! Allez, on va passer par ici, ça me paraît cool. On va passer par là, ça me paraît cool aussi. Oh, ça va être tellement ouf à escalader, tout ça là, on va encore vivre des trucs incroyables! Tous ensemble.
Ok, ça c'était vraiment au cas où je me foire. Hein. Hop, parfait. Ça on prend. On peut encore escalader, mais il y a quelque chose là-bas. Qu'est-ce que c'est? Bon, je pense qu'en fait c'est le même chemin. Très bien, on se casse. En plus, j'espère que... Bon, je pense qu'ils ont tout intérêt à le faire. Mais garder les hauteurs de malade là, qu'ils avaient, qui donnaient un panorama mais tellement fou à l'époque. Et il y avait aussi, souvenez-vous, les têtes plates, les sortes de robots girafes, où quand tu les escaladais, tu pouvais les désactiver, cartographier le tour. Je suis mort. Non. Et t'avais aussi un paysage incroyable. Frérot, si tu parles de loin, je t'entends pas en fait. Hein. C'est le but de la vie. Hein, mais... D'autres sérames. Les machines les ont tous massacrés. Décidément, ces mecs ont pas eu de chance. Ok. Hop. On est bon. On va pouvoir tracer. Je ramasse énormément de choses. J'ai vraiment l'impression d'être super chaud. Je rappelle qu'on est en difficile, hein, donc on risque de prendre notre part très rapidement. Ne prenons pas les trop machines confiance. Patrouille là-bas. On peut les marquer via le focus pour les garder à l'œil. Ok. C'est le moment, une opportunité. Je suis une femme morte. Allez, s'il te plaît, fais vite. Aloy, 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 Aloy. Il y a une échelle à l'arrière. Hop, on prend. Ok. Regardez le détail de la mousse, c'est fou. Mais pourquoi ? Waouh ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? Arrête, frère ! Qu'une mine. Mort. Wouah, j'ai pris une jupe du destin. J'ai plus de mine. C'est terrible. C'est pas grave. C'est pas grave. Premièrement. Et sûrement pas la dernière. Ok. Premièrement et sûrement pas la dernière, ça c'est clair. Hop, ça on prend. D'autres on examine. Les machines les ont tous massacrés. Ça, on prend. Par contre, elle est sortie de terre l'autre parce que je l'avais pas vue au début. Hein. Je l'avais vraiment pas vue. Hein. Bon, bougez pas. On peut les marquer via le focus pour les garder à l'aise. Non, c'est pas ça que je veux. Quoique, non. Ouais, on va plus partir sur ça. Très bien. On va fabriquer de la flèche. Très bien. Histoire de plus tomber en rade. Comme ce qui nous est arrivé. Ok. J'ai l'impression de revivre exactement. Parfait, 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 parfait. Parfait, 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 parfait. Il y a une échelle à l'arrière. Je l'avais pas vu.
Hop. Mort. Wouh. Ok, mais lui, il sort à chaque fois le petit pillard, là. Il nous régale, celui-ci, enfoiré. Ah, on est d'accord. Merci. Ah, c'était pas normal, ça, hein. On est foutu de notre gueule, les gars, là, hein. Ok, ça on prend. On reconstruit, rien à péter, hein. On a ce qu'il faut. Ça, on va fouiller. On prend. Ah, dommage. Fallait taper exactement dans le petit truc où il n'y avait pas la protection rouge. Allez. On se casse, c'est par où? Au fait, je voulais savoir. Sona était vraiment d'accord pour que tu ne rentres pas aux terres sacrées? En tant que chef de guerre, Nora, elle a compris pourquoi j'étais obligé de te suivre. Mais en tant que mère, elle n'était pas ravie. Ça lui arrive de l'être? Je crois pas l'avoir déjà vu sourire. Moi non plus. Ok. Parfait. Parfait, absolument parfait. Quel bonheur. N'oubliez pas, hein, le petit j'aime et le petit commentaire, ça aide toujours, mais je suis fasciné par le jeu. Voilà, je c'est vraiment une aventure où, comme le 1, je risque de pas spécialement parler très souvent, même si je parle déjà bien assez. Mais regardez-moi ça. Il y a trois de ces monstres. Et s'ils ont massacré tous ces Océram, on n'arrivera jamais jusqu'au centre de données. On ne pourra pas les éviter. Et ils sont trop coriaces pour les affronter. Il faut trouver un village et demander l'aide des chasseurs. Ça prendrait des semaines et on n'a pas le temps pour ça. On pourrait s'arranger pour que cette navette tombe. Ce truc? Comment? Je vais trouver. Attends-moi là. À l'œil. Je reviens. Et elle est repartie. Il suffit d'atteindre la navette pour trouver comment la faire tomber dans le bassin. Eh ben, direction la navette, on va faire tomber ce gros merdier. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. A très bientôt. Je pense que vous voulez voir la map monde à mon humble avis. Donc on va la voir tous ensemble. Et il n'y a pas grand chose à voir. Et c'est très très bien comme ça. Donc pas trop de spoil. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire. Niveau tenue, on a la tenue réglementaire. Niveau ressources, on a pas mal de petits trucs sympas. Niveau événement spécial, on a aussi des trucs très très cool. Donc jusqu'ici, rien de fou, mais on a un bon début, mine de rien. On a un bon début. Et ben écoutez, à bientôt tout le monde. Oh là là, oh le nombre de compétences, ça va être fou. Attendez, mais ça va être dingo ça. Ça va être dingo. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao, on n'est toujours pas dans l'open world, hein. Toujours le tuto. Quel bonheur.